amis internet na pesibino mbote bisika bozali boza bongo en direct ya Fleur Monde HD ndenge na prometa ki bino na FC bino ke émission na bino ya tapis rouge ekobanda na kati ya émission ya tapis rouge deuxième épisode toyamba lelo to sola lelo na grand homme hein grand homme quand on parle de grand homme c'est un grand homme c'est un grand monsieur oyo aza bongo na kombo abengami bongo na kombo ya bachelor connivence aza na maison d'habillement Solanaï, thème n'a bisou le toro bêta, et ça par rapport ya bilambani torikulata na matanga. Parce que moutou soro azo kinotala, moutou na matanga courant ou batou visite, azo bosana kibaninga azo lela. Ou kenen lamba, et lamba moko, oyo, et zo salari torote, et lamba moussouzo mon enduro et feti, et lamba moussouzo danke, et lamba ne lamba ezana message nango, couleur na couleur ezana message nango. Pona ngonga na zananga espère na matière te, nea kuta bonga bachelor. Oui, il y a en matière. Tout cela, il y a vraiment un mec un peu qui explique à papa. Il y a un jeune garçon. Il y a différentes catégories vie, sociales. Pour moi, la vie sociale peut être contre la carte d'habillement. Il y a un peu qui est en train de se faire à moment où il y a un matanga. Donc, il y a un peu qui est en train de se faire à Yemoko Bachelor. Bonjour. Bonjour, maman. Bonsoir. Aux internautes qui vont regarder la belle émission Tapis Rouge. Bonne santé. Santé, ça va, santé, ça va. Toujours qu'on va se beaucoup, mais sans nouvelle Kamabi, avec Simon ou tout ouais. Donc là, je profite de cette émission pour vraiment adresser mes nécessaires condoléances à la famille biologique de Vissimaro, à la famille Abandeko Bayem Binzimbo. Musicien, toutes les générations confondues, parce que c'est une icône qui vient de partir. Donc je tenais vraiment. On a rendu hommage hier, on a fait direct, on a rendu hommage. Donc voilà quoi. Ok. Sans plus tarder, tu as un thème de la Bissot, tu as fait une photo de Gérison, tu as fait une photo de la Suisse, tu as souhaité un bon anniversaire à Bachi et Marco, tu as fait la Belgique, Guillaume Vakalala, tu as fait une photo de la Zali, tu as fait une photo de thème de la vrai nom na yo posa bachelor connivence hein moi mboye bon, makota vrai comme nanga vrai nom na oui c'est Jocelyn Armel on a prénom Bindjuku Bizo je suis originaire du Congo je suis arrivé en France en 77 cette année ça fait 42 ans la tanga au plus voilà quoi bon maintenant j'ai créé la marque connivence bientôt 20 ans tous en château rouge avant tout là ça va te bêler tout là ça va arrêter ses bêler donc sur votre cas aucun des le club a vu beaucoup donc on fait la kinakin on a observé naïf voilà c'est une marque qui a créé des connivences positives n'a pas tant d'où les puis n'a pas tout simplement nos musiciens mais qui veulent manifester leur élégance parce que là comme tu as su bien le dire l'habit aussi c'est un vecteur de communication selon on s'habille pas en fonction de si, on doit s'habiller en fonction de l'endroit où on va, en fonction des événements. On souhaite que la relate parce que les amours de l'âge, mais l'habit que tu as porté, est-ce qu'il est en adéquation? Il n'y a pas aucun. C'est ce que c'est l'objet de notre discussion aujourd'hui. Donc, nous, ça fait 20 ans que vous en avez. Donc, pour te confirmer, 20 ans vous en avez activité. Oui, bien bas. Tu as un à Château Rouge? À Château Rouge, oui. Ah, ok. Dans quatre magasins, vous en avez combien de marques? Connivence, ils en marquent, Nabisso. Oui. Non, hormis à connivence. Mais tu étais à connivence. Ah, vous étiez à connivence. À connivence. Oui. Et puis là, entre-temps, bon, comme vous êtes là, je dois quand même l'annoncer, la marque ça a évolué. Comme beaucoup de marques, mon Akaba AX, ils ont Armani, Armani Jeans, ma marque, ils ont Kébéli. Connivence, pas comme une marque, et Bélo, tout le connivence. Monsieur Zoko, il y a un jeune Karaming qui était beaucoup de temps, comme on sur le marché, vous allez élégantissime. Bon, pour habiller les jeunes, parce qu'il y a César, on n'a plus mon coup, ils n'ont pas un pouvoir d'achat. Voilà. Puis une autre marque, j'ai le bachelor. Ça sera un peu une marque un peu plus ciblée à Batao, très classique. Voilà, parce que voilà. Pour la haute société, quoi. Ouais, donc, il y aura plusieurs marques maintenant qui vont voir le jeu dans quelques mois. Et puis, vous allez comment on va sur Internet. Parce que bientôt, on va faire. Vous tapez connivenceparis.com, vous allez voir notre site. Parce que beaucoup de gens nous demandent, bah, ça à Marseille, bah, ça dans le monde entier. Donc, voilà, ça c'est l'actualité de la marque actuellement. Sur le point, il y a eu Elamba et Matanga. Quand on dit. Elamba Matanga, Elamba Matanga, pour nous yoko définir en ligne. Elamba Matanga, ça s'inscrit dans une historicité, c'est-à-dire que l'on a dit, tant que vous êtes Matanga, il y a noir, il y a pimbi. D'accord? Ça, dans la tradition, c'est ça. Mais il s'avère que,
Tout est mouvement, tout est changement. Et aujourd'hui, moi, je le conseil que je donne chez les gens, sur mon Koufi, ils ont la défilé de maudité. Comme disait papa Wemba, c'est vrai que toujours que le moi le yingé. Non, le yingé était. Mon Koufa. Maintenant, celui qui est mort, on a le baka, matanga, ils ont le prolongement de la vie. Tu te vas assister mon tour, manga bachelor, prenons l'exemple, je prends mon exemple plus simple. Moi, de mon vivant, dans un moto à magnifier ma couleur. Je m'habille en couleur, comme on a rouge, parce que même là, j'ai un gilet bleu de nuit, j'ai un pantalon bleu de nuit, mais sauf que j'ai dessus une veste jaune qui donne un peu d'éclat à ma tenue. Si demain un bachelor venait à mourir, on tiendra compte de mon antériorité vestimentaire, l'élexinine. Mais selon moi, exacte que c'est universel, Motouana de son vivant, à Okolata comment ? Il s'habille comment ? Aroula t'as passé en couleur. Mais pour n'importe quoi, si bachelor a autre couleur, besoin de tailler bas noir ou bas pimbé, non? Ils ont correspondent à la moto à couffiter. Ils ont correspondent à la moto à couffiter. Parce que la mort pour moi, ce n'est que le prolongement de la vie. Je peux pas gagner. D'abord, moto à couffa, couffa pas azo sur une bicyclette. Autre chose, mboka ya patrick, comment vivre bas vivant. Mais spirituellement, moi bachelor je meurs. Je dis par exemple, tu vas courir car quand c'est l'éternité de mon monde, moto là tu jaune. Arrête rouge, arrête vert. Oh. Mais oui, mais bachelor à côté de ma couleur, il m'a roulé de ma couleur. C'est normal, jour de son enterrement, Batoubaya Kabalata, comme lui était un exemple terre à terre. Pas rendre hommage par rapport à Ndenge Bandai Kolinga. Un exemple terre à terre, maman. Nga roulé de ça, un grand artiste, il y a Braza Sefa, Bago Benga, Rafa Bounzeki. Rafa Bounzeki, il a magnifié, allure, au point que. Il était devenu visible vestimentairement parlant. Mais il portait des couleurs qu'on appelle acidulées chaudes. Bah rouge, bah jaune. Bloco, et ça là qu'on y voit, c'est le monde entier. Mais quand Rafa Bounzeki est mort, vous pouvez regarder sur Internet, vous tapez seulement enterrement de Rafa Bounzeki. Tous les ministres congolais étaient là-bas. Tous les dignitaires du Congo-Brazzaville ont assisté à son enterrement. Mais Rafa Bounzeki, je vous donne une information. Rafa Bounzeki, à Tikala Kokundama, n'a consommé à rose. Rose de Paris. Parce que c'était son idole en fait. Pourquoi Rose de Paris? Je vais vous expliquer. Bissou a on a pas sapeur il y a deux Congo. La réunion s'était passée ici. Tu dis mais Rafa, à Kokunda on a quelle tenue? Est-ce qu'elle a tâteau noir? Non. Il est dans le monde de l'élégance et puis il était un des mannequins de connivence. À quoi il a pas couleur? Et puis c'est quelqu'un qui était vivant à tel point que. Colette est noire, c'était en contradiction avec ce qu'il fut tant que nous avons Alata Kosumia Rose, Benganko, Rose de Paris. Même les marches tournées de son producteur qui est allé à l'enterrement, Alata Kosumia Rose Blanc. Donc, tant que vous avez une image, vous avez une couleur rebelle. Mais c'est moi, bachelor, sans fausse modestie, qui avait demandé aux gens. Pour honorer Rafa Bounzeki, on va avoir une couleur pour être en phase dans mon toit, parce que de son vivant, il portait les couleurs. Donc, moi, je dis, la couleur, c'est en fonction de la personnalité de la personne. Si je peux m'exprimer ici, de la personnalité qui vient de nous quitter. Maintenant, dans le cas d'espèce, il y a Mikolo. Voilà, par exemple, il y a un baobab qui vient de partir. Papa Lutumba. Papa Lutumba, a tiré la couleur en bas sous terre. Papa Lutumba, tu as comme on a consommé à jaune, thé, rouge, qui n'est classique. Puis à papa. En plus, il portait beaucoup de bazin là. Bon. Alors là, tu as pas bazin. Parce que là, tu as un chapeau. Il a un costume classique. Donc, biso banane, coco, lek. Si nous voulons honorer un baobab comme on appelle Vessimaro, pour moi, en tant qu'habilleur, Silice, je ne pourrais conseiller que au baobab qui nous pour être en communion avec le rang, avec la personnalité, avec cette personne iconique qui vient de nous quitter, qui est Vessimaro, tout là, on a un smoking noir. On a un smoking noir. On a un costume noir à Kitoko. On a un costume à trois pièces noires, tout à bleu marine. Surtout, hein? Il y a manche courte. Mais parce que il y a des qui ont manche courte. Mais ça, c'est en Afrique. Wow, ouais. Okay. En Afrique, on peut, oui, parce qu'en Afrique, il fait chaud. Mais moi, je passe comme si ça, par exemple, c'est un terrain, c'est un poteau. Donc, un costume noir, un costume bleu marine, agrémenté d'une chemise blanche, soit une cravate noire ou bleu marine, ou un nœud papillon.
chemise, les, comment on appelle, les couleurs les plus épurées possibles. L'élégance, c'est pas en, en venant à la, au deuil. De avec des grandes marques. Des grandes marques, bon, ça encore, ça peut passer. Mais bar, au Congo, là, t'as un costume noir, mais il y a Pinatelli, ils sont noirs, tu passes. Donc, au lieu d'avoir un costume, on n'a que ce qu'on voit, pendant que t'as rouge, tu as un peu de monde, non, non, non. Parce que, au Ocho Kinde, de son vivant, il s'habillait comme ça. Moi qui lui rends hommage, qui va lui dire son dernier au revoir, je dois être en phase avec ce qu'il fut Nabomoy. C'est très très important. Parce que Bissouba Batado Congo, actuellement, je suis en train de me dire que c'est tellement parlant. Au moins, il y a un grand monsieur, c'est le cas de Papa Simon. Il y a un Kosumba, Pinatelli, rouge, vert, aux autres salons, mais je suis en train de me dire que. Mais oui, mais est-ce que ta tenue reflète l'image à moto aux autres ne ça à Dieu, je pense pas. Donc c'est ces choses là qui font qu'aujourd'hui beaucoup de nos compatriotes, maman qui l'amba là et l'amba maman Dembo, c'est un vecteur de communication. Il faut qu'on se le dise. À partir de l'habit, vous faites passer un message. Dans le cas spécifique du deuil qui nous concerne, nous sommes des Bantous et dans notre éducation, le deuil maman là monte à l'école la mariage autre coup fait la moto. Mon mariage va annuler le mariage. Pourquoi le banon? Et ça mariage de parenthèse, faut pas qu'on la monte avant. Parce que le deuil, chez nous, nous avons une, nous apportons une qu'on appelle une importance singulière au deuil. Mais maintenant, avec les évolutions, parce qu'il y a des évolutions. Oui. J'ai parlé de mon cas. Aujourd'hui, c'est une autre personne de moi du showbiz. Vu ma dirigeante Ngakoufa, un exemple. Musique Betama. Je prends une musique Betama. Dans le cas de vie, c'est moi. Je suis celui qui bat. Musique peut Betama. Oui, n'est-ce pas? Tu connais Yoka, connivence bachelor, alobi, kolata et lamba na matanga. Ils ont dépendre na habillement yamouei erazaki vivant, de son vivant, comment il s'habillait. Zomona, comment il s'habille? Ce gars qui musicien, abandonné kolata, bastille naie. Il faut qu'on rende hommage par rapport à Ndenge abandonné kolata. Ce que Zanet Ndenge a expliqué, c'est que Alobi que Ndenge Tshiseke de Asalaki, Azana, Azamutu, Azamoko, Azamokonzi, Azamokonzi, Namboka, Nabiso, Congo. En plus, niveau social, Naye, Eza, Yalikolo. Donc, au Congo, là, t'as bilaté, là, t'es. Donc, il faut là, t'as tenu Moko, Eza, correct. Eux, ils sont vulgaires, t'es, Nakati, Yamatanga. Yamatanga. Ce que par rapport, y a saison paye les choses, parce que la saison paye contact. Bon. C'est vrai, c'est un contact. Je vous dis une chose. Mingi, tu as fait la garde-robe na Bongo en fonction à Kin. Ouais. En fonction à Braza. Parce que là-bas, il fait chaud. Yo sigo yo, matanga izana au mois de décembre. Dehors, il fait moins 5, moins 6, moins 7. Yo, même si là, tu as l'amba noir, mais si l'amba noir est super sans y été, tu es en défaçage par rapport à la saison. Parce que la saison impacte ton habit que tu portes. Bon, monsieur Zogoyaka, non. Nous sommes en Europe. Raison pour laquelle il faut s'habiller en fonction du temps. Nous avons la chance en plus, nous en Europe, pas parce que nous sommes météo tous les jours. La météo doit impacter ton cil. Donc, au moins, moto aye na matanga alati manto mais elamba ya kati ça elamba été, ça n'a rien à voir, tu comprends? Donc c'est tous ces détails là qui nous rendent quelquefois vulgaires par rapport au milieu où nous trouvons, parce que le thème qui nous concerne aujourd'hui c'est matanga. Yo na matanga vieux beaucoup, il y a vieux, par exemple il y a vieux Simaru. Les exemples que je vais te donner, il y a qui monte moko ya ba bazin. Motomoko va consommer classique, un grand baobab de la musique africaine, je ne dis même pas congolaise, africaine, Yohana Zokinde, aujourd'hui qui nous rendre hommage, aujourd'hui là, il y a un Pinatelli, il y a une couleur rebelle, aujourd'hui consommer jaune, c'est connivence, il y a un gène, il y a un basket, comme le cas où on a différent du monde, mais tant que ça a différent du monde, n'oublions jamais que nous sommes des Bantous, et les valeurs là, qui ont fait notre éducation, c'est la base de notre vivre ensemble. Mais comme je disais tantôt, tout est mouvement, tout est changement. Donc moi aujourd'hui, je ne serais pas étonné
na matanga la moto kola bachelor moto ala na kokufa je ne verrai pas mais bon c'est retourner chez un jour na oui bon mon abat voilà ta jaune ba rouge parce que de mon vivant j'étais comme ça, j'étais un bon vivant, j'étais quelqu'un qui aimait les gens. Je pense que me rendre honneur ce serait être un peu ce que j'étais dans mon vivant. Mais il y a des codes, les codes sur le noir ou le blanc, souvent le noir bisso c'est le blanc sur le noir. C'est noir. Sous un bilambe, même si moi t'as couvert chocolat ta couleur, mais si on est noir, tu ne seras pas anti façage. Soit parce que pas chocolat jaune comme la jaune, parce que tu as une bonne couleur. Tu comprends? Mais un beau costume noir, agrémenté d'un bon gilet noir, ou d'un gilet blanc, avec un papier noir, une chemise, une cravate noire, je pense un feutre noir. C'est d'une élégance inouïe. Parce que mon moto sera confirmé. Ce qui est tu as rendu à Dieu. Nous sommes dignes. Parce que digne aussi, la dignité confère aussi à l'habit, par rapport aux habits que nous portons. Et c'est très important. Je dis souvent, attention, ma tanga est à défiler de modité. Ça, c'est très important. On peut être élégant sans être extravagant. Oui, non? Parce que là, je peux faire une digression. Au moins, je peux faire un mariage. Elle a une basket. Pas la tine colombe à 15 ans, elle a une basket. Mais on a un mariage, on a une basket. Vous comprenez? Il y a Bimi, n'est pas gang. Ou bien, on a attaqué, Voilà. C'est pas possible. Il y a des milieux pour ça. Voilà. Moi, en tant qu'habilleur, je me dois de faire passer ces messages là. Et puis tant que par exemple un costume, la cravate que vous portez, la largeur de la cravate doit tenir compte de la largeur du revers. Si tu portes par exemple une veste slim fit, ce qui est mon cas, le revers est petit, il est inutile de porter une cravate large. Je dis bien, le port de la cravate est tributaire de la largeur du revers de la veste. Une veste slim fit, on est revers à 10 000, pour cravate baisse à la 10 000, en fonction, voilà. Ça, c'est des petits détails que les gens peuvent faire attention. Attention, voilà. Au coco, là, tu as un œil à mon nénéité, comme tu as un œil à mon néné, sur une veste slim fit. Parce que le slim fit, déjà, le revers est petit. Tu as à côté de la plaque. Et à la limite, tu es en train même de tuer l'image des habits. Parce que l'habit, c'est, moi je dis souvent, coulette que tu as bien. Et ça l'arrête parce que ce gauche à droite, au jour, au restant, là, on a un sapeur. Non. Tu es peut-être sapeur, mais tu n'as pas dandy. Tu n'as pas du style. Ça vient avec le temps. Il faut, comme nous allons chez le médecin, moi je souffre de ça. Et puis le monsieur dira non, en fonction du mal, prends tel médicament. Dans l'élégance. Gel, prends le comprimé. Voilà. Dans l'élégance, c'est pareil. Au feu orange, on ralentit. Au rouge, on s'arrête. C'est pas parce que nous sommes un apôtre, chacun est libre, mais quand tu es libre, tu peux savoir ces choses. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est très important. Mais vous me verrez souvent en sobre aussi, parce que tous les gens qui viennent ici, c'est pas les gens qui sont en sobre, mais je leur fais découvrir le port et la couleur. Ni de coco pèse en élégance na bango. Et puis souvent, je sens prétention que la région que j'ai converti à la couleur, bah, je vous dis qu'il y en a un endroit, ce que 7, ça va bling quoi. Médecin, avocat, tu vois. C'est un honneur pour nous, Congolais, qu'on arrive à vendre notre façon de s'habiller aux Français, aux Allemands, aux Américains qui viennent ici. Donc pour revenir au cas qui nous concerne, Matanga, c'est un moment solennel. C'est vrai que quand on a le Matanga, ma deux Zalaka, au coco là, t'as un noir. Mais quand tu as monté mon zappa, tu ne communiques même pas dans mon zappa. Tu comprends? Au coup là, tu es rouge, mais intérieurement, aux affrements, on a deux. Il faut que le deuil reflète ce que nous sommes. Sinon, nous allons dans toutes les dérives et puis ce n'est pas permis. Voilà. Ok. Mais il y a tout dans les sous-sous. Avant, dernier question, parce que tu as dit que tu as émission, est-ce qu'il y a des tissus qui sont adaptés aussi par rapport à la saison ou bien il y a des tissus qui sont adaptés? Non. C'est adapté. Tu par exemple en hiver. Là, tu as un beau smoking, il y a velours, il y a noir. Parce qu'il y a des velours d'hiver et des velours d'été. Mais un velours d'hiver, un milleret, un velours fin.
mais il y a hiver, c'est d'une beauté une nuit. Mais souvent, si tu as smoking, le smoking, par exemple, je conseille souvent chez les gens de porter le smoking croisé. Quand on parle de smoking, smoking c'est quoi en fait? Smoking, la tenue de soirée. La tenue de soirée, quand on est dans la canne. Noir souvent, voilà. Ça, c'est le smoking. C'est la phase ultime en roulette. On a changé ma tenue. Le smoking, un smoking noir, croisé, avec une belle chemise à jabot, n'a ne pas plus en noir. C'est d'une beauté une nuit. Et soit dit en passant, le smoking ne se porte qu'avec une chaussure vernis noire. Pas de triple semelle, au Babas, à Wesson ou à Kenzo, jamais. Le smoking noir se porte avec une chaussure vernie. S'il vous plaît, de grâce, on a un noir, mais non, voilà. Un smoking, c'est beau. Mais tout le monde peut avoir un smoking. Un costume noir, bien taillé, fait l'affaire, quoi. Ok. Toujours une pochette. Attention, moi je suis à l'élégance. Pochette à pembe, hein. Pochette à pembe. Sur un smoking noir, c'est d'une beauté inouïe. Ouais, okay. Je pense. Un mot de la fin, t'as commis vraiment la soukara. Un mot de la fin par rapport à tes clients, tes fans. Bah, on a surtout on en a besoin. Bah, découvrir le magasin à Connivence pour avoir un nouveau client parce que, comme ils ont la première fois, j'ai aussi mes fans à moi. Donc, bon, quoi inviter un nouveau client d'abord, oui. Merci. Pour l'émission Tapis Rouge, le poteau plus na Solana Bino. Tous en a 12 rue de Panama. Métro Château Rouge. Hein? Voilà, nous sommes ici. Quoi dire, c'est écrit ça à Péco. Quand la Ming était dans un mois et demi, retenez bien la date d'aujourd'hui, on va reprendre notre site vente en ligne. Notre site de vente en ligne, connivenceparis.com. Connivenceparis.com, vous pouvez le commander sur Internet. Mais surtout, le conseil que je vous donne, n'achetez jamais les habits pour les atalous. Ce n'est pas la cherté de la vie qui fera de vous un élégant. Mais allez dans les boutiques. Le col à Bissoyo, où on vous conseille bandage chaussures, chaussettes télécolo. Et vous allez comparer. Comment on a été posé en déconne, nous avons conseillé que Blink à l'équipe. Nous ici, nous conseillons à battre les camions à Blink et Bélé. Mais pourtant, les gens sont plus élégants. Vraiment, c'est le message de fin que je voulais vous donner. Il faut que le Bissot batte haute, de gauche à droite. Il faut qu'on puisse croire en nous. Bissot peut te lancer, bah, Marc n'a Bissot. Bah, Kassamoto Isali, bah, Connivence Basali, venez nous tester, vous allez voir. Vraiment, Madembo, merci beaucoup. Tapis Rouge, bon vent. C'est le bachelor depuis Paris, Nalinga Kabino Mingi. Bisous. Merci beaucoup, cher ami internet. Bon, Wouchikolanda, bachelor Ndenga Lobby, Ndenga expliqué, bisous vraiment en détail. Hein, Barbie, Teni. Et c'est là-bas. Quand tu as dit que le but est que nous sommes là-bas, on a 10 millions, on a 5 batouki, on a rapporté monnaie, on sommes là-bas. Non. Quand tu as là-bas, il y a un classement, on a classé en haut, on a tant ni, on a des circonstances ni, on a été là. Et là-bas, donc émission de Tapis Rouge et Zawana, vous continuez toujours à s'abonner à Flair Monde HD. Bon, vous allez de suite au moment où vous avez une connivence, lobby, pour lequel vous avez invité, vous allez vous expliquer en détail. En détail, et là-bas, et Zanini. Attends la gomme, Pamba, hola la gomme, et Zalaranini. Au moment où l'émission est intéressée, à contacter Bissou, le numéro, vous allez toujours affiché dans la vidéo, à Bengi. Mi donné zalango te to déplacera ngai dembo na déplacera li solé zalango pété na zalana nga compliqué te na solala ngai bien ngolo ba numéro ya bachelor pesa numéro connu tout le monde 07 82 23 52 00 na zo répéter 07 82 23 52 00 SMS ko zala bien je réponds souvent. Merci beaucoup. Nous avons un abîme. Moi, je te dédicace à ça. Ma dédicace est belle. Je suis souvent frustré. J'ai beaucoup de gens qui m'ont soutenu, qui continuent à me soutenir. Bana Braza, Bana Kin. C'était le vœu de papa Wemba. C'est très important. Et surtout, c'est vous les jeunes qu'on doit encourager. Bino, il faut te corriger. Tapis Rouge, Maman Dembo, pour ta l'émission, pour soutenir, pour saluer ma remarque pour qu'elle aille de l'avant.
parce que c'est la jeunesse qui doit nous remplacer demain. Merci beaucoup. Ok. Donc, quand tu vas au Rwanda déjà, tu l'as déjà nous surtout. On peut se rembourser la maman Espé Guilaine, maman ministre, bon anniversaire na yo. On peut se rembourser la présidente Dido. On peut se rembourser la Véro Mangoy, monter ma freelance Mangoy, rembourser les sous-sous, na restaurant chez Mutalombi. On peut se rembourser la vie dans la Paris Zikondo. Moi, la porte à Kala. On peut se Blaise Zébélé, monter ma Laure Lombo. On peut se Eliane Ochudi, monter ma Fernando Zangalakuna. Na si ma caméra tout ça bon la Michel Sainté réalisation et montage toujours Michel Sainté bon garçon les... Michel Sainté oui, papa la Natis donc Moussala toujours bon continuer toujours qu'on s'abonner na Flair Monde HD bah émission est belle mais aux tapis rouge babi soro la tagué soro yebi classement ya Elamba soro yebi Valère Elambo lati attends jogging kaka jogging pesant ba Valère non. Ah jogging pesant ba Valère non Nicolas Pelouse donc quoi hésiter t'es au contacter Bissot. Donc, merci beaucoup à suivre.